Il ne souffre pas de la sécheresse là, ok Robert QSL.
Allô. La frontière franco-belge, ceci, Alpierre à l'écoute, bonjour. Oui, bonjour le 09, la principauté d'Andorre, hein. 73, 14, Papa Victor, Pierre Dunkerque. Oh, le 03 vient de me creuser un tympan. Oui, bonjour, hein, 03, je vous reprends dans deux secondes. Oui, Andorre, de mon côté, j'arrive pas à vous sortir, c'est très très petit. Signal 2-2 à 3, radio identique, hein, 2-3. Avec la surmodulation du sud, ça va pas être possible aujourd'hui. Hein. Donc Andorre, bonne 73, et je retourne le micro au 03, ben, celui qui vient de me creuser un tapant. 73. Break pour le département 33. À côté, un dernier passage, ni plus ni moins que plus 40, hein, donc vous pouvez pas faire plus. Après, les lots ils font 3 tours, hein, donc oui, ben ça s'appelle de la radio. Break pour le sud-ouest de France. Au sud-ouest de France. Oui, bonjour le sud-ouest, bonjour. Oui, je laisse passer Dunkerque, je reprendrai après. Oui, il n'y a pas de souci, le sud-ouest ici, 14 Papa Victor, hein, opérateur Pierre Dunkerque, en parallèle avec une station de Montluçon qui passe d'une façon impressionnante. Voilà, comme quoi que le Nil, il fonctionne bien. Ok, d'accord, je sais pas, j'entends que vous. Hein. Ouais, ben là, si vous entendez que moi, c'est bizarre, parce qu'il y a la station de Montluçon. Je pense pas à mémoire d'avoir, à part des stations locales, des amis locales, c'est pas à mémoire d'avoir quelqu'un qui m'ait allumé tout, voilà. Donc Montluçon, félicitations, je crois que vous êtes le seul, hein. Vous êtes le premier. Ouais, retour pour le sud-ouest. Ok, merci, voilà, j'attendais l'autorisation de rentrer. Les bonnes 73, 51 à vous ainsi qu'à toutes les stations présentes dans le QSO de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002. QRZ local d'Indy 33, opérateur Rémi. Hélas, je suis très mal placé là sur le sud-ouest France, du moins pour pouvoir entendre les autres stations. Là, je suis vraiment dans un trou. Et pour être plus précis, je me situe entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Voilà, un petit peu enfermé là par les collines. Et ce qui explique pourquoi je n'entends que vous, hein, c'est bien dommage. Oui, ben Rémi, dernier passage 59+, hein, donc bon, pour un trou, il y a pire. Et pareil, la région Saint-Émilion, ben, je pense que le camarade de Montluçon va confirmer, je pense que la région de Saint-Émilion, il y a pire pour faire du trafic. Hein. Oui, vous avez vous entendez, vous, hein. Achille pour le trafic. Oui, effectivement, il y a quelques beaux contacts à faire par ici, ouais, je confirme. Ouais, bon, si en fin de journée, on attend une
avec une voix un peu distordue, on va dire qu'il n'est pas décalé en fréquence, hein. Voilà. Retour, René. Ah si, ouais, ouais, bah, c'est bien ça. La joie que vous avez tout compris, là, sur mon QTH. Ouais, cher Matt. Ben, nous, ici, bon, c'est Dunkerque, hein, donc un peu... la frontière franco-belge, là, je suis à 10 km de la frontière. Bon, nous, on a la bière, hein. C'est pas la même couleur, ça mousse un peu plus, mais c'est très bon aussi, hein. Ok, affirmatif. Ben, disons que pour moi, pour ma part, je veux dire... Je suis un petit peu mal placé parce que ben, le vin, c'est pas du tout mon truc. Pourtant, je suis d'un petit village là qui s'appelle Sainte-Colombe. En plein milieu du village, on a les vignes qui sont à quoi d'ailleurs, allez, on va dire à 100 mètres de la maison. Et je ne bois absolument pas du tout le vin. Une petite bière, par contre, je suis pas contre. Ok, bougez pas, sortez une bouteille, j'arrive de suite. Hachi. Pas de soucis, Rémi. Non, moi, ça... Là, dernier passage, plus 20, hein, donc ça passe plus que correct. Hein. Par contre, une toute petite sifflette derrière. Je sais pas si c'est joué à la pompage ou pas, mais presque, fallait une sifflette ou un bruit de ventilateur. Je sais pas trop dire. Bon, c'est minime, hein, ça reste minime. Radio Super 5, signal de plus 20, c'est plus que correct, hein, Rémi. Alors, deux solutions à ça, trois solutions à ça. Soit peut-être le ventilateur du DK, soit peut-être le ventilateur de la lime, ou le téléphone qui est à portée de main, possible aussi. Ouais, donc c'est pas la propale, c'était à vous, hein, parce que quand il y a des petits blancs, il y a une toute petite sifflette, mais je vous rassure, Rémi, c'est vraiment minible, hein. C'est même pas la peine de faire répéter les phrases, quoi que ce soit, c'est du 100%. Hein. D'accord, ok, merci. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres stations qui cherchent à vous avoir, non? Sont très corrects, donc ils signalent mais en 3 secondes et demie et ils attendent derrière, donc on va laisser un petit peu en Rémi avec votre permission. Donc 14 Papa Victor en parallèle avec Rémi de un côté de Saint-Émilion, s'il y a des stations qui veulent rentrer, bonjour. Ouais, il y a toujours Stéphane, Rémi, je sais pas si vous copiez, c'est pas terriblement, c'est une tuerie. C'est une tuerie, donc je sais pas si vous copiez Pascal. Il m'a semblé le deviner dans le lointain, mais rien de plus. Je suis même pas sûr que ce soit lui que j'ai entendu derrière, une modulation assez grave. Je sais pas, c'était à peine sorti. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment à peine entendu. Hein. Ouais, Rémi, avec la radiographe, c'est bien Pascal. Hein. Je sais pas ce que c'est, un MC60, Pascal, je pense, retour. Pascal, vous êtes encore là? Attends, on a perdu l'ami Pascal ou la propagation a chuté. Rémi? Oui, voilà, je suis toujours là. Ben, pour ma part, c'est un Yazoo FT450 AT. Et au niveau aérien, ben, je suis en vertical, à 9 mètres de haut, avec une antenne, une Sigma Mantova 8 Turbo. Voilà pour les conditions de trafic. Ouais, ok, ben, ça passe très fort pour du vertical, il n'y a pas de souci. Là, je suis en parallèle avec Stéphane, là. Qui se passait, comme je disais tout à l'heure, hein, une plus 60 ici, c'est vraiment, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, bon, à part les amis locaux, hein, bien sûr, mais c'était impression, une radiographe percutante, si ma mémoire est bonne, c'était un M660, ça donne vraiment envie d'acheter ce micro, hein, c'est vraiment terrible, terrible. Non, ouais, d'accord, ok, ouais. Ben moi, là, pour ma part, je suis avec le micro d'origine, hein. Et tiens, justement, là, vous parlez de passer fort. Vendredi dernier, j'étais parti avec mon push, ma remorque, l'antenne dessus, sur une colline là, à côté de chez moi. Et là, j'ai attrapé la Martinique. La Martinique m'a entendu avec un Santiago de 8. Hein. Là, ça passait vraiment bien, quoi. Oui, pour expliquer là, un petit peu l'installation que je me fais de temps en temps en mobile. C'est, je me suis installé une antenne fixe dans une remorque.
que je peux démonter, remonter comme ça le plus simplement du monde. Et le tout accroché derrière la voiture. Voilà, donc j'ai commencé par mettre un premier tube, un tube de 1,50 m, bien aubané avec des chaînes dans la remorque. Et après, tout le reste que j'assemble au sol, bien entendu, et que je redresse pour venir emboîter par-dessus, ce qui me fait une antenne verticale à 6 mètres de haut. Et je peux me mettre comme ça n'importe où, quoi. Aucune installation à faire au sol, rien du tout. Tout tient dans la remorque. Il peut y avoir un petit peu de vent, c'est pas gênant, tout tient très bien. Et ce qui fait que pour les expéditions, ou comme là, le 26 juillet dernier, avec le forum Les Ondes du Routier, et on était sur le salon radio de Marennes, j'ai embarqué ma remorque, tout mon matériel là-bas. Les radios amateurs étaient assez surpris là, quand j'ai installé tout ça. Là. Ce qui nous a permis là, de brancher une station là, directement à l'intérieur du salon. Quoi. De mon côté, vous êtes un peu marqué Thierry Pascal, mais rien de bien méchant, à peine 10-12 secondes, c'est pas grave. Hein. Pascal, Rémi disait qu'il module beaucoup en mobile ou en activation avec une remorque. Hein. Tout équipé de temps et des pylônes et tout ce qu'il faut dans la remorque, et il passe bien, hein, dernier passage ici, 57, c'est très fort. Hein. Et donc Rémi, étant donné que Pascal ne vous sort pas, Pascal, si je me suis trompé, hein, j'ai pas bien compris, j'ai dû confondre. Le micro, c'est pas un M650, c'est un M200 de CSU, je crois, si j'ai pas de bêtises, et ça marche vraiment terriblement fort. Hein. Avec un FT1000 MP, c'est impressionnant. Impressionnant, Pascal. Retour sur Pascal. De vos conditions de trafic. Hein. Moi, j'ai retourné vite fait sur le 555, voir un peu si on peut faire d'autres parties de la France. C'est toujours sympathique de discuter avec l'Hexagone, voilà. Donc, Rémi, merci du contact. Hein. Ça passe très fort, il n'y a pas de souci. Les bonnes 73, et puis n'hésitez pas à briquer dans les QSO, comme vous l'avez fait sur ce coup-là. Si vous m'entendez en fréquence, hein. Rémi, il n'y a pas de souci. Allez, bonne 73, et 14, Papa Victor, on repart sur le 555. Ok, merci. Et vu que je fais pas mal de vidéos, pour ma part, vous pouvez retrouver justement les différentes vidéos que je fais, ça, me retrouver facilement sur Internet sous le Dandy 33. Voilà, c'est facile. Vous pensez à crocoder le Dandy, vous jetez le croco parce que lui, celui-là, il ne nous intéresse pas, vous mettez 33 à la place. Le tout attaché, ce qui vous donne Dandy 33, et vous pouvez me retrouver facilement sur Internet. Là, vous verrez, j'ai pas mal de vidéos, j'ai pas mal de trucs, justement, de faits là-dessus. Et avec le forum Les Ondes du Routier, on fait en sorte, justement, de promouvoir et redynamiser la CB. Et je vous laisse, bon contact, bonne journée, et à la prochaine sur Les Ondes. Désolé, depuis tout à l'heure, je vous appelle Pascal. C'était l'interlocuteur d'avant, désolé Stéphane. J'ai sauté une ligne sur mon carnet de trafic. Stéphane, bonne module à vous, merci du contact, super sympa. Dans des conditions comme ça, c'est vraiment hyper agréable. Ne changez rien, voilà. Rémi, merci du contact, à bientôt. J'étais en parallèle avec Stéphane, hein, que j'appelle de Pascal depuis tout à l'heure, et c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas bien. Voilà, donc Rémi et Stéphane, cette fois-ci, je fais attention. Les bonnes amitiés, merci du contact. À bientôt. Merci, bye bye.